Salut à tous, c'est Artfrag et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du jeu SCP Cryogen Breach, ou plutôt le test. Donc c'est le dernier épisode, il me semble, de SCP, qui se déroule dans une prison. Et je vous cache pas que là ça va être ma deuxième prise parce que je me suis fait tuer juste avant au bout de 10 secondes de jeu quoi. Donc là faut que j'attende le garde qui va venir m'ouvrir et qui va m'emmener dans une cellule. Avec SCP, le SCP, je sais pas comment il s'appelle, si c'est son nom ou pas. En tout cas le monstre quoi. Ouvrez-moi! Donc déjà graphiquement, bon c'est pas ça, franchement c'est pas ça. Mais c'est toujours mieux que les autres. Just follow me. Ouais, faut que je le suive. To kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Et que je ne tente rien de stupide. Vous pouvez constater que le mec marche d'une manière complètement ridicule, un peu à la manière d'un Playmobil ou d'une personne qui aurait passé une nuit assez agitée. Voilà, donc là, il faut que j'aille dans cette pièce-là. Voilà, là, je rejoins mes potos les prisonniers, et il faut que je rentre là-dedans. Attention à tous les classes D personnel, please enter the containment chamber. Voilà. Et là, en fait, dans la vidéo que j'avais faite avant, je meurs juste après ça, en fait, vous allez voir. Quand la lumière va s'éteindre, donc du coup, là, voilà, la porte s'ouvre. Là, faut vite que je me la casse. Merde! Et je suis mort une fois de plus. Bon, je vais faire une ellipse. Et on se retrouve au même endroit, sauf que là je vais essayer de faire quelque chose pour essayer de m'en sortir quoi. Bon. Bon, voilà, on se retrouve. Après cette petite ellipse. Donc là, faut absolument que je trouve une solution et rapidement. Hein. Allez, vas-y, clac. Alors là, il n'y a pas une échelle, non, que dalle. Bon. Ouvre-toi, ouvre-toi. Please maintain direct eye contact with SCP-173. Ok, alors là je suis pas mort. J'ai fait un peu n'importe quoi. Et c'est tout noir. Est-ce que j'ai une flashlight? Non. Oh my god. Oulala. Alors l'ambiance du jeu est assez oppressante. Oh là 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 là. Là il y a tous les soldats qui sont pétés la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh non, 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 non. Non, non. C'est quoi ce jeu de psychopathe? Oh non, du gaz! Ouvre-toi, ouvre-toi. Alors là, je suis en panique totale. Là si j'ai là-bas je vais crever. J'ai fait les frais tout à l'heure. Du gaz et ça te tue directement. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que c'est. Est-ce que j'ai un inventaire? Ah voilà. Alors, ça, masque à gaz. Ah, voilà, masque à gaz. Du coup, je vais pouvoir normalement accéder à cette chambre. Ah il merde, faut que je l'ouvre. Voilà, ah, il va pas venir me chercher là quand même.
Non. D'accord, donc il y a un temps. Quoi? Non, c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Donc là. Ah voilà. Oh putain. Je suis une nouvelle fois mort. Et donc, bah écoutez, je vais réessayer, mais vraiment une dernière fois. Bon, on se retrouve après cette nouvelle petite ellipse où j'ai découvert quelque chose. C'est que on possède une touche pour fermer les yeux. Donc, est-ce qu'il faudrait fermer les yeux quand le monstre est devant nous? Bah, c'est ce que je vais tester maintenant, en fait. Vas-y. Please approach SCP-173 for testing. Ouais, moi je me casse. De toute façon, c'est fermé, on peut pas ouvrir. There seems to be a problem with the door control system. The door is Donc. responding to any of our attempts to close it. Là, mes collègues vont se faire So, please buter. maintain direct eye contact with SCP-173. Hop là, je ferme les yeux, je ferme les yeux. Pour le moment, je suis pas mort. Pour le moment. Hop, on rouvre les yeux. Ok, c'est cassé. Bon. Alors, faudrait-il peut-être tout simplement ne pas le regarder? Oh, c'est qui ça? J'ai vu un truc qui est passé là. Oulala, oulala. Je ferme les yeux. Non, y'a personne. Clac. Ok. Bon, maintenant, on va essayer de pas se refaire niquer. Oh là 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 là. Salut. Ça va? Moi, ça va. Non, tu ne t'ouvres pas, petite porte. Toi non plus. Bien sûr, et toi, je suis sûr que tu ne t'ouvras pas non plus. Voilà. Oh là 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 là. J'ai même pas envie de jouer là, je suis sûr que je me fais... Pourquoi ça s'allumait ça? Je suis sûr que je vais me faire bouffer encore. Voilà. On va mettre... C'est quoi ça? Batterie, ouais. Document. Ok. Bon, on va mettre le masque à gaz. On va rusher. Allez! Ah! Et merde! Merde! Bon, si quelqu'un a réussi à terminer ce foutu jeu, franchement, honnêtement, respect. Respect. Attendez, là, j'ai qu'une seule salle où aller. J'y vais et je me fais tuer même si je ferme les yeux. Bon allez, je vais vous laisser sur ce sur cet épique rage. Ce épique crash kit parce que là, franchement, j'en peux plus. Je mettrai le lien du jeu dans la description. Et tenez-moi au courant si vous réussissez à aller plus loin que moi, ce qui devrait pas être en temps normal trop difficile. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo où malheureusement bah j'ai pas pu trop vous faire découvrir le jeu parce que je suis mort en tout 3 ou 4 fois. Donc voilà. Salut!